oggi e necessariamente comovente per un egittologo esprimersi all'interno di un'istituzione prestigiosa come il Museo di Torino, di cui tutti conoscono il ruolo fondamentale svolto nella storia di egittologia e che svolge oggi nello sviluppo e nella diffusione della ricerca. Grazie ancora, signor direttore, e grazie al pubblico per aver accettato di assistere a una conferenza che non tratterà né del tesoro di Tutankhamon né delle camere segrete delle piramidi. Ma continuerò in lingua francese, se non vi dispiace, per smettere di maltrattare la vostra lingua così bella. En choisissant ce titre, le scribe écrivain, pour ma conférence, j'ai souhaité vous parler non pas de l'activité gestionnaire des scribes, mais de leur travail d'écriture et de leur capacité créatrice. Je voudrais vous montrer qu'il est légitime d'utiliser le terme d'écrivain, même pour une époque aussi reculée que celle qui a vu apparaître les textes des pyramides ou les premières autobiographies. Lorsqu'on examine de près certaines compositions de l'Ancien Empire, on voit donc apparaître les premières traces, les premiers exemples de littérature. Comme vous voyez, nous nous intéresserons davantage à donc des scribes, des personnages privés, des personnages généralement anonymes, plutôt que à des rois ou des reines. L'époque qui va nous intéresser essentiellement est une époque relativement ancienne. Juste un petit tableau chronologique pour rappeler que l'Ancien Empire débute vers 2700 à peu près avant notre ère, jusque vers 2200. Donc vous voyez que c'est une des époques effectivement les plus reculées, mais on aura l'occasion de voir que les textes des pyramides nous permettent parfois d'aller un petit peu plus haut encore qu'à l'époque de l'Ancien Empire. Je vais donc vous présenter quelques aspects de l'élaboration formelle perceptible dans les textes les plus anciens de l'Égypte ancienne. Une élaboration qu'on peut déceler dans des œuvres qui ne sont pas nécessairement considérées comme littéraires au sens étroit, mais qui permettent de mettre en évidence des procédés de rédaction, des structures formelles, des techniques d'écriture. À travers l'analyse de ce travail du texte, par le biais de cette approche formaliste, c'est le scribe lui-même, généralement anonyme, dont on peut restituer ainsi, sinon la personnalité et toutes les intentions, du moins les capacités d'invention, le goût de la précision et du travail bien fait. Je viens d'employer le mot « précision » et c'est l'occasion de rappeler en préambule l'insistance avec laquelle les lettrés égyptiens valorisent cette notion dans des contextes énonciatifs très variés, qu'il s'agisse d'œuvres sapientiales, les enseignements, ou apparentés, d'autobiographies de particuliers, de compositions eulogiques vantant les qualités du roi, ou encore d'hymnes aux divinités. Témoigne de ce goût de la précision la fréquence assez remarquable dans tous ces types de textes des trois termes que vous voyez ici à l'écran, mecha en égyptien, qu'on peut traduire par mesurer, Meter ou Meti, exa, juste, ou Aka, précis. Il suffira de donner ici quelques exemples tirés de compositions du Moyen Empire. Par exemple, le fameux enseignement de Ptahotep, qui est conservé par un magnifique papyrus qui se trouve à Paris, à la Bibliothèque nationale, et dans lequel on peut trouver cet exemple. Celui qui mesure sa volonté et sa langue, ses lèvres sont précises quand il parle. J'ai mis en relief, hein, en caractère gras, les termes évoquant donc cette valorisation de la précision
que j'ai énumérés tout à l'heure. Dans un autre type de texte, à peu près contemporain, il s'agit ici d'une autobiographie qui est gravée au Wadi Hammamat, en Haute-Égypte, d'un personnage qui a vécu au début de la 12e dynastie, qu'on appelle Ameni le héros. On peut lire sur cette autobiographie où il vante son père, il fait l'éloge de son propre père, en disant ceci: sa langue était précise, son esprit comme un pesant. Alors je ne suis pas sûr de la traduction italienne de ce mot, j'espère que ça ne vous choque pas trop, comme un pesone, je n'ai pas trouvé peut-être le mot juste, et sa conscience conforme à la conduite dictée par le grand Dieu. Un autre exemple, alors, pour illustrer justement ce qu'on vient de voir dans ce texte, vous voyez la comparaison entre l'esprit, c'est le terme ib en égyptien, que vous voyez donc ici, et la comparaison entre le ib donc, et le peson, qui est le mot ter en égyptien, eh bien, on a une illustration parfaite de ce rapprochement par une iconographie que vous connaissez bien, qui est celle de la psychostasie, où on s'aperçoit que précisément le peson, c'est-à-dire ce qui sert à maintenir la balance en équilibre, a exactement la même forme que le cœur. Vous voyez, le peson et le cœur, le ib et le ter, qui sont donc iconographiquement similaires. C'est la traduction iconographique du texte qu'on vient de voir. Un autre exemple de cette valorisation de la précision, cette fois-ci dans un texte littéraire bien connu, l'un des textes les plus connus, les plus célèbres de la littérature classique, de la littérature du Moyen-Empire, les plaintes du paysan éloquent. C'est la balance des hommes que leur langue, et c'est la pesette. La pesette, c'est un autre type de balance. Là aussi, je ne suis pas sûr de la traduction italienne. Et c'est la pesette qui révèle l'état. Un autre exemple, et je prends à dessein évidemment comme illustration le magnifique Ramsès II du musée de Turin. Un autre exemple qui date cette fois-ci donc du Nouvel Empire, de la 19e dynastie, et qui est tiré cette fois-ci d'un autre genre littéraire, les zoologies royales, sur la célèbre stèle de Kouban, qui est conservée en France au musée de Grenoble. Eh bien, on peut lire ceci à propos du roi cette fois-ci: ta langue est mesurée, on s'adresse à Ramsès II, ta langue est mesurée et tes lèvres plus précises que le peson exact de Thoth. Vous voyez, on a ici un bel exemple où les trois termes Mera, Aka et Méti sont employés ensemble, se trouvent dans la même phrase. Cette constante valorisation de la précision, on la voit encore ici dans cet autre exemple, elle est bien sûr étroitement liée à la principale activité des scribes égyptiens, celle de la gestion administrative et comptable, qui mobilise à la fois réflexion rationnelle et compétences arithmétiques. Mais il n'est pas de frontière étanche, comme on sait, dans l'ancienne Égypte, entre le scribe comptable, le scribe administrateur et le scribe écrivain. Et la précision avec laquelle le gestionnaire établit ses registres de compte est la même que celle qu'il est susceptible de mettre en pratique dans la composition de textes non documentaires ou d'œuvres littéraires. Pour donner une illustration de cette porosité entre le domaine de la pratique administrative et celui du discours idéologique, normatif ou littéraire, les trois aspects étant généralement combinés, on rappellera que pour les Égyptiens, le bon comportement, ce qu'ils appellent biat, celui qui est conforme à la maat, est affaire de comptabilité, en l'occurrence de peser. L'iconographie de la psychostasie, déjà évoquée, démontre combien l'imaginaire égyptien des conceptions éthiques est tributaire du référent comptable.
au moment même de la mise en place textuelle et iconographique de la psychostasie, que l'on peut faire remonter au début du Moyen Empire, les textes des sarcophages usent de l'expression Heseb Kedou, évaluer les qualités naturelles, à propos du jugement du défunt. On le voit ici, ta plainte a cessé, c'est un texte donc issu des textes des sarcophages, on s'adresse au défunt, ta plainte a cessé, ta condamnation a été effacée par ceux qui pèsent avec la balance le jour d'évaluer les qualités naturelles. Le terme traduit ici par évaluer, Heseb en égyptien, est précisément celui qui se rapporte en égyptien de manière générique aux opérations comptables. Nous allons rester dans la comptabilité d'une certaine façon avec une petite exploration des rythmes au sein des textes des pyramides. Un corpus ouvert, comme vous le savez, de formules au départ rituelles, adaptées dans un second temps à un usage funéraire. Un petit mot très général sur les textes des pyramides. À l'heure actuelle, donc, nous connaissons 11 pyramides à texte, pour ce qui est de l'Ancien Empire, puisque bien sûr nous avons des copies postérieures des textes des pyramides. Mais pour l'Ancien Empire, nous avons donc 11 pyramides à texte que vous avez ici sous les yeux, classées de manière à peu près chronologique. Les deux dernières pyramides à texte étant celles de la reine Amkhesenpepi II, une épouse de Pépi Ier et la mère du pharaon Pépi II, pyramide qui a été découverte en l'an 2000, donc vous voyez relativement récemment, et la toute dernière, c'est celle de la reine Bénou, la dernière de la liste ici, qu'on a du mal à situer chronologiquement, peut-être fin de la 6e dynastie, peut-être un peu plus tard, et donc dont la pyramide a été découverte plus récemment encore, en 2005. Bon, comme vous le savez sans doute aussi, ces textes couvrent ce qu'on appelle les appartements funéraires des pyramides à texte, avec des localisations, des plans qui sont standards. Vous avez ici les codes utilisés en français pour désigner les différents espaces de ces appartements funéraires, chambre funéraire, antichambre, le couloir horizontal, le vestibule, et la descenderie. Avec une organisation, pour simplifier bien sûr, qui est similaire d'une pyramide à l'autre, à savoir qu'on a deux grands axes d'organisation des textes, un axe ouest-est, et un axe sud-nord, voilà, avec bien sûr des à l'intérieur de chaque pyramide un système d'organisation qui est propre à chaque pyramide, mais qui obéit au même schéma, à ces deux grands axes qui sont communs à toutes les pyramides à texte. Très rapidement, donc, on distingue trois types de formules. Des formules d'offrande, des formules qu'on peut appeler cosmographiques, qui sont les plus nombreuses et qui sont celles qui nous permettent de suivre le parcours du défunt dans l'au-delà, et puis des formules conjuratoires qui sont, disons, des formules magiques, à l'origine sans doute des formules qui étaient prononcées par le ritualiste pour écarter le danger que présentaient les animaux dangereux comme les serpents ou les scorpions. Et ce sont ces formulaires magiques qui ont été réutilisés ensuite à l'intérieur des textes des pyramides. Alors les formules les plus intéressantes pour nous sont bien sûr les formules cosmographiques, et ce sont celles précisément, vous le verrez à la fin de cette conférence, où on peut détecter le plus de passages que nous pouvons considérer comme littéraires. Un dernier mot général sur ces textes des pyramides, pour montrer que aujourd'hui, lorsqu'on analyse ces textes, il faut absolument tenir compte de ce qu'on peut appeler un processus de sédimentation. Ça signifie tout simplement que ces textes sont le résultat d'une accumulation de strates, et un petit peu à l'image du texte biblique, si vous voulez, il faut tenir compte de ces différentes strates pour bien analyser ces formules, notamment les formules cosmographiques.
on a des strates récentes, une strate récente qu'on peut appeler la strate osirienne, qui date de la 5e dynastie, 5e, 6e dynastie, qui est donc la période où précisément ces textes apparaissent gravés dans les pyramides, mais beaucoup de ces textes proviennent en réalité de strates beaucoup plus anciennes, et notamment la toute première strate proto-dynastique, hein, qui remonte aux toutes premières dynasties de l'Égypte pharaonique, où, par exemple, Osiris est totalement absent, mais où même Atum est totalement absent. Hein, on a des indices qui nous permettent donc d'évaluer, ou en tout cas d'essayer de déterminer à quelle strate appartient tel ou tel texte ou tel passage de texte, car souvent les formules mêlent les différentes strates, et c'est ce qui évidemment rend l'analyse un peu plus complexe. Alors ceci pour vous dire que lorsqu'on découvre de la littérature dans les textes des pyramides, eh bien c'est parfois une littérature qui ne date pas de l'Ancien Empire, mais qui précède l'Ancien Empire. Ce sont des rédactions extrêmement élaborées, mais qui remontent parfois à ce que nous appelons parfois les Poctinites, hein, c'est-à-dire les toutes premières dynasties. Bon, juste quelques images des textes des pyramides, hein, pour vous rappeler comment se présentent ces textes en général en colonne. Ici chez Ounas, ici chez Téti, le successeur d'Ounas, le premier roi de la 6e dynastie, ou ici encore chez Pépi Ier. Ces colonnes de texte, donc, qui sont en général des formules cosmographiques où est à l'œuvre précisément le travail du scribe et le travail du rédacteur qui est parfois un véritable écrivain. Alors, je vous ai annoncé une exploration des rythmes dans les textes des pyramides. Je vais laisser de côté les exemples de rythmes binaires qui sont multiples dans ces textes et qui sont beaucoup moins utiles à la démonstration du fait de leur banalité. En revanche, les exemples de rythmes ternaires et quaternaires sont beaucoup plus révélateurs du travail du rédacteur. Le rythme ternaire est très fréquemment attesté dans les textes des pyramides. Un triplement qui véhicule généralement la notion de pluriel, et il est alors révélateur d'une intention totalisante d'efficacité. Un exemple ici, il s'agit des enfants d'Horus qui vont donc assister le défunt, qui vont aider le défunt à accéder au ciel, c'est-à-dire à accéder à son nouveau statut divin. Et voici ce qu'on dit dans ce passage, donc c'est la formule 480. Ils porteront une échelle pour ce N. N, c'est bien sûr le nom du défunt. Vous remplacez N par le roi en question ou le défunt en quel qu'il soit. Ils porteront une échelle pour ce N, ils érigeront une échelle pour ce N, ils dresseront une échelle pour ce N. Donc, on voit bien que le rythme ternaire ici est là pour exprimer la totalité, pour renforcer évidemment l'efficacité de ce qui est dit. Un autre exemple de rythme ternaire, cette fois-ci, c'est le ritualiste qui s'adresse au défunt et qui lui dit ceci en parlant de ses adversaires. « Empare-toi d'eux, ôte leur tête, débite leurs épaules pour les éviscérer, arracher leur cœur et absorber leur sang. » Vous voyez, on a deux rythmes ternaires en réalité qui sont destinés évidemment, là encore, à renforcer l'efficacité de la formule. Osiris N, c'est toujours le ritualiste qui s'adresse au défunt. Osiris N, je t'amène celui qui t'a abattu. Évite qu'il n'échappe de ta main. Osiris N, je t'amène celui qui t'a abattu. Son couteau est préparé. Osiris N, je t'amène celui qui t'a abattu. Il a été tranché en trois morceaux. Alors vous voyez ce qui est intéressant ici, c'est évidemment le parallélisme entre le rythme ternaire et le contenu même du texte, hein, puisqu'il s'agit de couper l'adversaire en trois morceaux, et pour mieux le couper en trois, eh bien, on utilise justement le rythme ternaire.
D'une certaine manière, le rythme ternaire reproduit stylistiquement le découpage en trois morceaux du corps du meurtrier, hein, représenté par l'animal sacrificiel. On constate un effet de mimétisme stylistique qui tend à rapprocher la parole du réel. Dans cet autre passage, le ritualiste ne s'adresse pas au défunt, mais à une instance divine qu'il nomme de trois manières. « Ce N est venu auprès de toi, Horus de Chat. Ce N est venu auprès de toi, Horus de Chesmet. Ce N est venu auprès de toi, Horus de l'Est. » Bon, le rythme ternaire est manifeste, mais ce qui est très intéressant ici, c'est noter l'emplacement dans les différentes pyramides où figure ce texte. Et il se trouve que ce texte se situe toujours au même endroit dans toutes les pyramides où il apparaît. Vous voyez ici cette paroi nommée XAE. X, vous remplacez X par le nom du défunt, hein, ça peut être W pour Ounas, T pour Teti, M pour Merenre, etc. A, c'est pour indiquer l'antichambre, et E pour la paroi Est. Eh bien, pourquoi ce texte se trouve-t-il toujours à cet endroit-là, sur ce qu'on peut appeler la façade du Serdab, hein? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a certainement un lien à établir entre ces trois divinités ou ces trois formes divines, Horus de Chat, Horus de Chesmet, Horus de l'Est, et les trois niches. On utilise le mot niche en français, hein, qui n'est pas très heureux, les trois niches du Serdab, hein, puisque dans toutes les pyramides à texte, le Serdab est tripartite. Ce Serdab, qui est une pièce un peu mystérieuse, puisque cette pièce n'est jamais inscrite, mais en réalité, elle joue un rôle essentiel dans l'organisation cosmologique des textes, puisque ces trois espaces, ces trois niches, sont en réalité les trois sanctuaires, hein, la partie la plus sacrée, en réalité, des appartements funéraires, vers laquelle est censé se rendre le défunt. Donc le défunt va se rendre dans le sanctuaire, le Serdab, exactement comme un pharaon se rend dans le sanctuaire d'un temple. Et donc le rythme ternaire, là, est à mettre en relation avec l'espace ternaire, l'espace tripartite du Serdab. Un exemple, cette fois-ci, de rythme quaternaire. Vous avez ici le ritualiste qui s'adresse à des divinités sous forme de vaches. « Oh, les vaches laitières qui êtes ici, oh, les vaches nourrices qui êtes ici, entourez-le, il s'agit du défunt bien sûr, entourez-le, pleurez-le, lamentez-vous sur lui, gémissez sur lui. » Il est vraisemblable que, là encore, le rythme quaternaire est à mettre en relation avec quelque chose de très concret qui pourrait être dans le mobilier funéraire que nous avons perdu malheureusement, mais qui pourrait être des représentations de quatre vaches protectrices, ou peut-être le décor d'un lit funéraire qui serait orné de quatre têtes de vaches, comme on le voit parfois d'ailleurs sur le hiéroglyphe qui représente précisément le lit funéraire à cette époque et qui est parfois orné de quatre têtes de vache. Donc vous voyez, on aurait ici un lien très concret à établir entre le rythme quaternaire et un objet, une représentation concrète figurant dans le mobilier funéraire. Ces divinités sous forme de vaches, hein, étaient probablement matériellement présentes sous une forme ou sous une autre dans les appartements funéraires. Un dernier exemple de rythme quaternaire, c'est N, l'un de ces quatre dieux. Les quatre dieux en question sont les enfants d'Horus, qu'on a déjà rencontrés tout à l'heure. C'est N, l'un de ces quatre dieux, oint d'onguents à la résine et drapés d'étoffe, qui vivent de figues et boivent du vin. Ce N sera oint de ce dont vous êtes oint. Ce N sera drapé de ce dont vous êtes drapé. Ce N vivra de ce dont vous vivez. Ce N boira de ce dont vous buvez.
Là encore, le rythme quaternaire est manifeste et il est évidemment à mettre en rapport avec le nombre des enfants de Russes, hein, les quatre dieux. Voilà, on s'adresse à quatre dieux et donc on va s'adresser à eux de manière quaternaire. Je vais aborder maintenant un autre aspect, une autre technique d'écriture qui est extrêmement élaborée et que l'on peut appeler la composition concentrique ou le concentrisme. C'est une forme littéraire, en réalité, qui a été découverte d'abord dans la littérature biblique. Elle n'a pas été découverte par des égyptologues, hein, mais par des biblistes. Je vous donne un petit peu quelques indications bibliographiques. Et cette structure, que vous allez voir qui est très facile à détecter, mais qui est extrêmement élaborée, cette structure donc, a été perçue dans la littérature biblique et ensuite dans le Coran, ce qui est très intéressant puisque ça signifie qu'on a affaire en réalité à une structure rhétorique sémitique, hein, qui dépasse largement le cadre d'une culture spécifique, et il n'est pas étonnant qu'on puisse la repérer également dans les textes égyptiens, dans la mesure où, comme vous le savez, la culture pharaonique peut être, de manière un peu simple, hein, être classée dans le sein des grands groupes sémitiques. Le premier égyptologue à avoir repéré des traces de cette structure concentrique dans les textes égyptiens est un spécialiste de la magie, c'est un égyptologue français qui s'appelle Ivan Koenig. Vous avez ici la référence à l'étude qu'il a publiée en 2009 avec Koyo et Kuipers, qui sont donc deux spécialistes de cette composition concentrique. Il a repéré cette structure dans des textes magiques et je me suis demandé si on ne pouvait pas la repérer également dans d'autres types de textes. Et j'ai eu la bonne surprise d'en trouver des exemples tout à fait convaincants dans les textes des pyramides, vous allez voir aussi dans d'autres types de textes. Alors voici ce qu'est la composition concentrique ou concentrisme. C'est très simple, on a un couple de séquences qui sont extrêmement proches. Deux séquences parallèles qu'on peut appeler A-A'. Ça peut être un couple de vers, si vous voulez, ou deux phrases qui sont tout à fait parallèles du point de vue de leur structure. À la fin, à nouveau, un couple de deux séquences tout à fait parallèles qu'on va appeler B-B'. Et surtout, au centre, évidemment, il nous faut un centre puisqu'on parle de structure concentrique, au centre, un élément qu'on va nommer X, mais qui a une particularité. Cet élément central énonce une vérité de nature transcendante, généralement un nom sacré ou une affirmation dogmatique. En clair, très souvent dans les textes égyptiens, cet élément central, cet élément X, contient le mot « netcher », c'est-à-dire le mot que nous traduisons par « Dieu » en français. Voici quelques exemples de cette structure concentrique et vous allez voir qu'il est tout à fait facile de la repérer et il n'y a pas de doute, hein, lorsqu'on tombe sur une structure concentrique, on est tout à fait sûr de son fait. Donc nous sommes dans les textes des pyramides, formule 510, la terre lui sera piochée, lui c'est pour le défunt, la terre lui sera piochée, l'offrande lui sera consacrée, lui qui est apparu en roi, il a sa dignité, il a son trône. La structure apparaît évidemment encore mieux en égyptien, hein, dans la translittération égyptienne. Vous voyez le parallélisme, Rebesses NF Ta, Sekin NF Udenet, pour A-A', BB', c'est très clair aussi, Sar NF, Neset NF, et l'élément central, où ne figure pas le mot Netcher, mais un élément tout à fait similaire, puisque Nisut en égyptien, le roi, désigne un être divin pour les Égyptiens. Le roi est le dieu parfait par excellence, le Netcher, Nefer,
pour reprendre l'expression égyptienne. Autre exemple de composition concentrique, la formule 581, un joli texte hein, qui pour nous paraît tout à fait poétique. Les prairies riront et les rives seront inondées, les offrandes du Dieu viendront, le visage des hommes s'éclairera et les dieux exulteront. Hein, vous voyez comment cette structure concentrique peut être facilement repérée avec le parallélisme Sebet Shaou War Ijebu d'un côté, Ihej Erremech Hai Ib Necheru de l'autre, et au centre, l'élément central avec l'élément Necher, Dio en italien. Formule 719, le ciel tonne, la terre tremble, les dieux exultent de la naissance du dieu, ce N, car Geb l'a placé, Nout l'a pris. Alors on a ici une structure concentrique parfaite, mais on a même un travail littéraire, hein, le rédacteur a affiné encore cette structure concentrique en opérant ce qu'on appelle un chiasme, hein, cette figure rhétorique qu'on appelle le chiasme, qui consiste à inverser les éléments. Le ciel, la terre, A', et B', nous avons la terre et le ciel, puisque, comme vous le savez, Geb est le dieu de la terre, et Nout, la déesse du ciel. Donc, voyez comment le chiasme a été combiné avec la structure concentrique. C'est un vrai travail d'écrivain. Cette structure concentrique, évidemment, elle n'apparaît pas que dans les textes des pyramides. On en a un magnifique exemple dans l'un des textes les plus célèbres de la littérature égyptienne, les Mémoires de Sinoué, un texte célèbre pour nous, mais qui était surtout très célèbre pour les Égyptiens, comme en témoigne le nombre de sources assez important hein, que nous avons de ce texte, puisque nous avons un certain nombre de papyrus, dont certains d'ailleurs datent du Moyen Empire, ce qui est très précieux puisque ces sources du Moyen Empire sont très proches de la date de rédaction du texte. On considère que le texte des Mémoires de Sinoué a été composé au début du règne de Sésostris Ier, donc au début de la 12e dynastie, mais nous avons aussi toute une série d'ostracas ramessides qui proviennent du village des artisans de Der Médiné, et donc qui sont des témoignages bien postérieurs qui prouvent la diffusion et la célébrité chez les érudits égyptiens, en tout cas, de ce texte. Voilà, un exemple de ces sources est le magnifique papyrus conservé à Berlin qui nous donne la plus grande partie cette composition. Et puis, vous connaissez peut-être ces ostracas tout à fait exceptionnels qui sont autre chose que de simples tessons de poterie, hein, parfois, qui peuvent être de véritables stèles, comme cet ostraca du Caire qui porte une bonne partie du texte de Sinoué, ou encore, bien sûr, l'ostracon d'Oxford, qui, sur le recto et le verso, hein, vous avez ici recto et verso, porte la quasi-totalité des Mémoires de Sinoué. Alors, au début du texte, comme vous le savez, on évoque la mort d'Amenemhat Ier, qui a été assassiné. On ne nous le dit pas de façon aussi explicite, mais le lecteur est censé savoir évidemment ce qui s'est produit. C'est ce qui va déclencher l'exil de Sinoué. Mais pour évoquer donc cette mort d'Amenemhat Ier, eh bien, au début du texte, nous avons ce passage qui répond tout à fait à la définition de la structure concentrique. Vous voyez, c'est l'un des textes les plus célèbres de la littérature égyptienne et cette structure n'avait pas été perçue jusqu'ici. La résidence était dans le silence et les esprits dans l'affliction. La double porte vénérable était close, la cour était tête sur les genoux et l'élite dans les lamentations. Alors comme toujours, c'est la translittération de l'égyptien qui permet de mieux percevoir la structure. Yu, Hienu, Mseger, Ibu, Mgemu. De l'autre côté, Shenit, Et, Tep, Hermaset, Pat, Mimu. Et au centre, eh bien, cet élément qui évoque le divin, puisque bien sûr, la double porte vénérable
est une manière de désigner le palais royal et, à l'intérieur du palais royal, le roi, en l'occurrence, le roi défunt. Un autre exemple de cette composition concentrique, on avance un petit peu dans le temps, ce sera le dernier exemple que je vous donnerai de cette structure concentrique, qui date ici du début de la 18e dynastie, raison pour laquelle je vous montre cette tête assez célèbre d'Amosis, hein, le premier pharaon de la 18e dynastie. Nous avons un très beau texte qui figure sur une stèle conservée au musée du Caire, qui est une sorte de logis royal, un hymne au pharaon. Et dans ce texte, nous avons un passage qui illustre parfaitement la structure concentrique. On s'adresse à la population égyptienne, hein, qui doit honorer le roi, et on dit ceci: « Lavez-vous en son nom, purifiez-vous sur sa vie, car voyez, c'est le Dieu sur terre, on parle du roi bien sûr, hein, car voyez, c'est le Dieu sur terre, adressez-lui des louanges comme à Ré, adorez-le comme Yah. » Vous voyez la structure concentrique avec donc là aussi le parallélisme très clair entre A et A', entre B et B', le parallélisme entre Ré et Yah, c'est-à-dire la lune, hein, Yah c'est l'astre lunaire en égyptien, et au centre l'élément central qui contient le mot Netcher, ici pour désigner bien sûr le roi régnant. Au passage, on a une définition du pharaon, hein, ici, une définition qui ne peut pas être plus explicite, hein, selon laquelle le pharaon est le Dieu sur terre. Je voudrais maintenant vous montrer un autre exemple de travail du texte, de travail formel du texte, et qui, pour le coup, s'apparente véritablement à du travail littéraire, puisqu'il s'agit d'une structure poétique que j'ai proposé de nommer le distique heptamétrique. Alors, distique parce qu'on a affaire à un couple de vers, hein, stiche A, stiche B, et heptamétrique tout simplement parce que ce couple se définit par une séquence de 7 unités accentuelles. 4 unités accentuelles pour le premier vers, 3 unités accentuelles pour le second. C'est un peu l'équivalent de ce que nous connaissons en poésie française comme étant l'alexandrin. Vous savez que dans la poésie française, l'alexandrin est la forme la plus usitée, la plus classique, une forme d'ailleurs qui dérive de la poésie italienne. Je vais vous donner quelques exemples tout à fait convaincant de ce distique heptamétrique. Son origine est à chercher, semble-t-il, dans les autobiographies privées de la première période intermédiaire et du début du Moyen Empire, qui ont tant apporté, on le sait, à l'éclosion et au développement de la littérature. La structure est très simple, vous l'avez vu, et on en a peut-être un des tout premiers exemples sur cette stèle conservé au musée du Caire, qui porte l'autobiographie d'un personnage qui s'appelle Réti et qui vivait sous le règne de Mentouhotep II, c'est-à-dire le pharaon fondateur du Moyen Empire, à la 11e dynastie. Voici ce texte. « Car c'est la crainte qu'il inspirait qui a répandu mon prestige. » Donc c'est ce personnage, hein, Réti, qui s'exprime et qui parle du roi. « C'est la crainte qu'il inspirait qui a répandu mon prestige, son influence qui a répandu la peur que je suscitais, tandis que ces contrées-là auxquelles j'étais parvenu poussaient des cris de joie devant son pouvoir, et c'est l'amour qu'il inspirait qui a fait s'unir à lui le double pays, les dieux bâtissant son règne. » On ne va pas s'arrêter à l'analyse précise, hein, du contenu de ce texte. Ce que je veux vous montrer, c'est sa structure formelle, et vous voyez comment, en disposant comme il convient la translittération du texte égyptien, eh bien, on perçoit immédiatement la structure du distique heptamétrique. 4 unités accentuelles, vous voyez, c'est 4 mots, hein, c'est très facile de déterminer ce qu'est une unité accentuelle en égyptien. 4 mots qui forment 4 unités accentuelles pour le premier vers, 3 unités
pour le second vers, on a notre distique heptamétrique. Alors, lorsqu'on a un seul distique, on pourrait toujours mettre ça sur le compte du hasard. Hein. Quand on en a plusieurs consécutifs, évidemment, on comprend que c'est une structure formelle délibérée. Voici une tentative de transposer ce texte et cette structure en italien. Un autre exemple figure toujours au Moyen Empire dans une autre autobiographie. Vous voyez comment ces autobiographies des personnages privés ont beaucoup apporté à la littérature égyptienne. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Amenemhat, c'est un nom très fréquent évidemment au Moyen-Empire, et nous sommes à Beni Hassan, dans la tombe numéro 2. Voilà, Beni Hassan qui se situe dans cette zone qu'on appelle la Moyenne-Égypte, ici, où se trouve un certain nombre de tombes de la 12e dynastie. Et dans un passage de cette autobiographie, eh bien, nous avons une séquence de distiques heptamétriques tout à fait exemplaire. Le défunt, comme souvent, se vante évidemment de sa vie exemplaire, et voici ce qu'il dit à ce moment de son autobiographie. « Aucune fille de simple particulier que j'ai abusée, aucune veuve que j'ai opprimée, aucun cultivateur que j'ai sanctionné à tort, aucun berger que j'ai réprimé, il n'y eut aucun directeur d'une équipe de cinq dont j'ai saisi le personnel pour les redevances. Personne ne fut dans la détresse de mon temps. Personne n'eut faim à mon époque. » Vous voyez comme il est important de disposer la traduction en fonction de la structure formelle qui, en l'occurrence, voilà, sont une séquence de quatre distiques heptamétriques parfaitement réguliers. Voilà, là encore, une tentative de rendre le rythme de ces distiques heptamétriques en italien. Je préfère vous laisser lire plutôt que de le dire, hein, c'est mieux. Et lorsqu'on examine la structure grammaticale, on voit comment le rédacteur a utilisé les négations, vous voyez, nen, nen ou nenun, pour obtenir les unités accentuelles supplémentaires dont il avait besoin. Hein, ici, simplement nen et parfois nenun pour avoir une unité supplémentaire pour obtenir évidemment le chiffre nécessaire des 7 unités accentuelles constitutives du distique heptamétrique. Je reprends un passage des mémoires de Sinoué qui abonde en distiques heptamétriques. En réalité, la grande logie royale que prononce Sinoué devant le prince syrien qui l'accueille chez lui, lorsque Sinoué est en exil, il est accueilli par un prince syrien qui vit dans la Syrie actuelle et qui se nomme Amunanchi, et Sinoué va se livrer à un éloge du roi, du nouveau roi, Sésostris Ier, qu'il n'a pas connu en tant que roi, puisqu'il est parti précisément juste au moment de la mort d'Amenemhat, mais il va se livrer donc à une immense autobiographie, qui est une immense eulogie royale, qui est entièrement composée en distique heptamétrique. Alors je vous en donne juste un exemple ici, c'est un victorieux, il s'agit du roi donc, hein, c'est un victorieux qui a agi de son bras, un héros qui n'a pas son pareil. Donc vous voyez la structure du distique heptamétrique. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte, ce distique, a été repris plus tard, à l'époque de Thoutmose III, vous voyez, dans une inscription de l'an 23 de Thoutmose III, qui figure tout à fait au sud de l'Égypte, dans la forteresse de Bouen, qui est à peu près à la hauteur de la deuxième cataracte. Et vous voyez comment le rédacteur de l'inscription de Thoutmose III a repris de manière fidèle, hein, presque mot à mot, le distique des mémoires de Sinoué. Un roi victorieux qui a agi de son bras, exactement le même premier vers,
avec une petite variante, hein, simplement un roi victorieux au lieu de c'est un victorieux. Le deuxième vers, lui, est parfaitement identique. Un héros qui n'a pas son pareil dans les deux cas. Un autre exemple sur un texte assez célèbre qu'on appelle le rouleau de cuir de Berlin, puisqu'il est, ce texte figure précisément sur un rouleau de cuir et conservé à Berlin. On discute beaucoup sur la datation de ce texte. Est-ce que c'est un original de la 12e dynastie ou un texte de la 18e, peu importe. Mais là encore, on a un très bon exemple de distique heptamétrique. Il, c'est-à-dire le dieu Atum, prendra son essor de même qu'il m'a fait prendre le pouvoir. C'est le roi qui parle. Il prendra son essor de même qu'il m'a fait prendre le pouvoir et j'approvisionnerai ses autels sur terre. Et bien, ce qui est intéressant, là encore, c'est qu'on va retrouver pratiquement ce même distique un peu plus tard, à Karnak, dans le temple de Karnak. Vous voyez, nous sommes ici sur le fameux mur où figure le texte de la Genèse, hein, un des textes les plus célèbres de l'époque de Thoutmôsis III, où le roi s'exprime lui-même, hein, à la première personne, et voyez ce qu'il dit dans le texte de la Genèse, colonne 18, « Je ferai s'élargir les places de celui qui m'a créé », ici évidemment puisque nous sommes à Karnak, il s'agit du dieu Amon, « et j'approvisionnerai ses autels sur terre ». Vous voyez encore un bel exemple de distique heptamétrique qui a été repris d'un texte à l'autre. Peut-être d'ailleurs deux textes à peu près contemporains, évidemment, si on considère que le rouleau de cuir de Berlin date précisément lui aussi de l'époque de Thoutmôsis III. La dernière structure précise que je voudrais vous présenter s'appelle une polyptote. Je vous ai donné la définition en français et en italien, donc voilà, vous pouvez vous rassurer tout de suite, il ne s'agit pas d'une mystérieuse maladie, mais bien d'un procédé de style tout à fait inoffensif et qui consiste à associer dans un même énoncé, vous voyez, plusieurs formes, plusieurs cas grammaticaux d'un même lexème dans les langues casuelles ou plusieurs actualisations d'une même racine. Fondé sur des jeux étymologiques, le polyptote permet ainsi de riches allitérations et c'était une figure de style qui était particulièrement appréciée des Égyptiens. Comme l'illustre un certain nombre d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns et qui sont assez tirés de textes assez connus. La complainte de Rareperesseneb. Vous voyez, celui qui a parlé n'a pas parlé pour que puisse parler qui viendrait à parler. Alors, il faut le lire plusieurs fois, hein, en égyptien et en français pour essayer de comprendre. Il s'agit simplement d'expliquer que c'est l'objet du discours de Rareperesseneb, hein, ce sage qui se plaint de ne pouvoir utiliser la tradition, ce que lui ont transmis ses ancêtres, pour pouvoir rendre compte de la situation actuelle. La tradition ne lui permet pas de rendre compte du présent, le passé ne lui permet pas de rendre compte du présent. Voilà, c'est le sens général de cette phrase qui, vous le voyez, a pour objet donc de multiplier les jeux sur djed, hein, sur la racine djed qui signifie dire, parler en égyptien. Dans les plaintes du paysan éloquent, qui est évidemment un modèle de rhétorique, applique la maat, hein, le paysan s'adresse au grand intendant, qui est censé rendre la justice, applique la maat au loué que les loués louent. Évidemment, en égyptien, c'est encore plus clair, hein, ir maat, hesi, hesesu, hesiu. Toujours dans les plaintes du paysan éloquent, applique la maat pour le seigneur de la maat duquel est née la maat. Bon, évidemment, ce sont des jeux, vous voyez, mais qui montrent le rédacteur à l'œuvre, l'écrivain au travail. Dans l'enseignement pour Méricaré, un autre texte dont la datation est débattue, hein, certains proposent le Moyen Empire, d'autres plutôt la 18e dynastie,
ce n'est pas le sujet ici, mais ce bel exemple de Ptolitote, ici, hein, grand et le grand, quand ces grands sont grandis. Ourou, our, ourouef, ourou. Voilà une tentative hein, de rendre ces ptolitotes en italien. Eh bien, là encore, nous avons la surprise, la bonne surprise de repérer cette figure de style dès les textes des pyramides. Ah, j'avais cité aussi cet exemple qui est peut-être le plus parlant de Polyptote, mais le texte est un peu long, on va passer un peu vite, mais c'est l'enseignement de Ptahotep, encore une fois, avec donc un jeu sur le mot « sejem » en égyptien, qui signifie « écouter ». Alors vous voyez combien de fois le mot « sejem » a été répété ici, dans ce passage, hein, où le vizir Ptahotep s'adresse bien sûr à son fils hein, pour lui délivrer son enseignement. Et lorsqu'on regarde le texte égyptien, l'original égyptien, vous voyez, j'ai mis ici en blanc dans le texte hiératique le mot sejem. Hein, vous voyez combien de fois ce mot a été répété. On a vraiment ici une magnifique illustration de cette figure de style. Je vous le disais, donc, on peut la repérer dès les textes des pyramides, hein, ce qui prouve que ce travail d'écrivain, ce travail du rédacteur, eh bien, il est présent aux plus hautes époques, dès l'apparition de ce corpus extrêmement ancien. La formule 219, ici, nous donne un exemple hein, de Polyptote, en ton nom de celui d'Héliopolis, durable parce qu'il dure dans sa durabilité. Il est toujours difficile hein, de rendre ces jeux de mots, ces jeux étymologiques en français, mais en égyptien, on le perçoit très bien. Djed, Njedef, Mjedetef. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous pensez de la transposition italienne, mais ça permet de donner une idée, en tout cas, de ce jeu étymologique. Un autre exemple qui est assez intéressant, un texte assez difficile à interpréter au premier abord. Vous voyez, en égyptien, ça nous donne kesek, kes, kestuek. Voilà. Et en réalité, le ritualiste s'adresse à l'adversaire sous forme de serpent, et il lui dit donc ceci, ton crochet, c'est une pointe de harpon, si bien que tu seras harponné. En réalité, il joue sur les différents sens possibles de ce mot kes, qui désigne en égyptien en réalité un os, une pointe en os, et qui peut donc aussi bien désigner métaphoriquement la dent du serpent que le harpon avec lequel évidemment on peut frapper le serpent. Et donc ce qu'il lui dit, c'est que sa dent, son crochet, hein, qui devrait être normalement son arme, eh bien, son crochet, sa dent, va se retourner contre lui, exactement comme s'il s'agissait d'une pointe de harpon. Hein, voilà. Donc là encore, évidemment, la traduction a du mal à rendre compte de l'efficacité du texte égyptien. Hein, kesek, kes, kestuek. On pourrait, je ne sais pas ce que ça donne encore en italien, hein, il tuo osso e una punta d'osso, così sarai disossato. Pour terminer, je voulais vous montrer ce qu'on pourrait appeler un petit trésor littéraire, une petite pépite littéraire que l'on découvre dans une formule des textes des pyramides qui porte le numéro 723. Les numéros des formules sont naturellement tout à fait artificiels, hein, tout à fait arbitraires. Cette formule, vous le voyez, est très souvent attestée dès l'Ancien Empire, puisqu'on a 5 pyramides à texte qui l'illustrent, Pépi Ier, Merenre, Pépi II, Neit et Ujepten, hein, dans l'ordre chronologique, puisque Neit et Ujepten sont deux reines de l'époque de Pépi II, deux épouses de Pépi II. Cette formule a été transmise plus tard dans un texte des sarcophages, la formule 519,
qui est connu à l'heure actuelle par deux sarcophages, mais il n'est pas exclu qu'on découvre à l'avenir d'autres illustrations de cette formule. Donc elle est relativement diffusée et elle est un bel exemple de travail littéraire, vous allez voir pourquoi. La voici. Dans son entier, vous voyez, c'est une formule qui est relativement courte, hein, vous avez la totalité de la formule 723 sous les yeux. « Ô ce N », donc c'est le ritualiste qui s'adresse au défunt, « Ô ce N, dresse-toi sur tes os d'airain et tes membres d'or, car ce tien-corps, il est celui d'un dieu. Il ne saurait moisir, ni disparaître, ni se putréfier. La tiédeur qui est sur ta bouche, c'est le souffle sortant des naseaux de Seth. Les souffles du ciel disparaîtront si disparaît la tiédeur qui est sur ta bouche. Le ciel cessera d'avoir ses étoiles scintillantes si cesse la tiédeur qui est en toi. Car ta chair a été enfantée pour la vie. Tu vivras à la manière des astres vivants dans leur saison de vie. » Voilà. On a toute une série d'éléments qui démontrent le travail de l'écrivain. D'abord, la métaphore usuelle du métal, voyez, tes os d'airain, tes membres d'or, la métaphore du métal pour évoquer l'inaltérabilité du nouveau corps du défunt. Je peux vous donner ici, là encore, une tentative de transposition en italien. Donc la métaphore du métal pour évoquer l'inaltérabilité du nouveau corps du défunt. Les os des reins, les membres d'or. Un métal mou, l'or, hein, pour les membres, les chairs, et un métal dur, les reins, c'est parfois l'argent, pour évoquer les os, les éléments durs du nouveau corps du défunt. Le rythme ternaire, nous en avons parlé tout à l'heure, il ne saurait moisir, ni disparaître, ni se putréfier. Pourquoi trois verbes? Eh bien, là encore, comme on l'a vu dans les exemples de rythme ternaire que je vous ai montré tout à l'heure, pour assurer l'efficacité de la formule. Le fait d'utiliser trois verbes permet d'anéantir, d'annihiler tout risque de corruption de ce corps divin. La métaphore du ciel constellé pour évoquer l'éternité de la nouvelle vie. Les souffles du ciel, le ciel cessera d'avoir ses étoiles scintillantes, hein, si cesse la tiédeur qui est en toi. Le motif des naseaux de Seth. Seth représenté sous la forme d'un taureau, hein, évoqué sous la forme d'un taureau, le taureau sauvage qu'on a pu domestiquer et qui désormais va devenir un assistant, un allié au service du défunt. Le taureau sauvage domestiqué donc est contraint désormais de servir son maître en le réchauffant de son souffle. C'est une étonnante préfiguration du bœuf de la crèche. Et bien sûr, un beau polyptote pour terminer, fondé sur le mot « andre », la vie. Dernier mot de ce texte, vous voyez, « car ta chair a été enfantée pour la vie, tu vivras à la manière des astres vivants » dans leur saison de vie, c'est ce terme « andre » qui termine cette formule, évidemment le but étant d'assurer aux défunts une nouvelle vie, la nouvelle vie, une vie éternelle. Con questa ultima pepita letteraria, concluderò questa breve visita ai laboratori di scrittura dei primi tempi faraonici. Spero di avervi fatto apprezzare e forse scoprire alcuni tesori testuali che non sono spettacolari, li riconosco, come quelli di Tutankhamon. Grazie mille per l'attenzione. Ringrazio il professor Mathieu per questa bellissima e dotta conversazione, che invece è stata molto spettacolare perché ci ha permesso di cogliere, non solo di approfondire
i testi, ma di cogliere come figure stilistiche ed elementi stilistici scelti in maniera molto oculata da quello che possiamo appunto definire lo scrittore, riusciva poi a rendere ancora più pregnante il messaggio che si voleva dare. Appunto la Pepita con cui ha concluso ci fa vedere sia con le metafore, sia con la ripetizione tripartita dei verbi, sia poi con la metafora anche astrale, come il messaggio dell'incorruttibilità del corpo e della vita dopo la morte sia molto pregnante. Però non voglio sottrarre tempo a eventuali domande. Au début de la conférence, la tripartition et quadripartition de la pyramide. Comment? Je n'ai pas compris tout. Très bien, la tripartition et quadripartition de l'écriture dans la pyramide. Vous voulez parler de placement, donc. Oui, de la relation entre les textes et l'architecture. Oui, j'aimerais bien savoir d'autres choses. Oui, oui, c'est très, très important, effectivement. C'est très intéressant. Je n'ai jamais entendu cette chose. C'est la première fois. Donc. Ces dernières années, je peux répondre en français. Ces dernières années, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet et il est maintenant admis, il y a un consensus sur ce point, il est admis qu'il faut interpréter les textes en fonction de leur localisation, de leur emplacement dans la pyramide. Voilà. Il y a des variantes, bien sûr, d'une pyramide à l'autre, mais il y a un certain nombre de constantes. Certains textes se trouvent toujours au même endroit dans toutes les pyramides, ce qui prouve qu'il y a une volonté, évidemment, de localiser les textes en fonction de leur emplacement. Les textes ont un sens dans leur contexte, c'est-à-dire par rapport aux formules qui précèdent et aux formules qui suivent, mais aussi par rapport à leur localisation spatiale. Donc ça, c'est très important, évidemment, pour comprendre, ne serait-ce que pour savoir dans quel sens nous devons les lire. Et nous savons maintenant que nous devons commencer à lire les textes à partir de la chambre funéraire, en allant vers l'est, vers le serdab, et ensuite, à partir de l'antichambre, en allant vers la sortie. Ce qui est évidemment un sens de lecture qui est opposé à celui du visiteur, ou à celui de l'égyptologue, ou à celui de l'archéologue, qui évidemment vient de l'extérieur. Et entre, raison pour laquelle nous parlons de descendrie, alors qu'on devrait dire la cendrie, on parle de descendrie, on parle d'antichambre, c'est-à-dire la pièce qui est avant la chambre, alors qu'en réalité, pour les Égyptiens, c'est d'abord la chambre funéraire, le sarcophage, la chambre funéraire, ensuite l'antichambre, et ensuite le couloir et le vestibule. Donc il faut apprendre, voilà, il faut apprendre à lire les textes de la manière dont les Égyptiens les lisaient et non pas la manière dont le découvreur les a découverts, les a trouvés. Oui, bien sûr. Il faut être dans la pyramide pour bien comprendre ce phénomène, bien sûr. Il y a plusieurs égyptologues qui ont travaillé sur ces sujets-là, notamment le grand spécialiste américain qui s'appelle James Allen et également Harold Hayes, voilà, qui ont publié sur ce sujet. Alors, merci pour ce magnifique exposé et des études de stylistique. Simplement, vous nous avez proposé des exemples d'Égyptiens classiques ou de l'Ancien Empire. Est-ce que vous avez exploré aussi le domaine du Nouvel Égyptien et surtout des compositions tardives, si elles sont conscientes ou elles imitent ou elles refont de quelque façon ces jeux de stylistique? Oui, professeur, je sais que vous avez la réponse à votre propre question. Car, un certain nombre des procédés rhétoriques que je vous ai présentés figurent effectivement dans des textes tardifs au Nouvel Empire,
On a une littérature extrêmement riche et extrêmement élaborée au Nouvel Empire. Je pense notamment aux enseignements, la fameuse lettre, la controverse des scribes, qui est un monument littéraire, peut-être une des œuvres les plus abouties de l'Égypte ancienne. J'ai pu repérer dans les textes d'époque ptolémaïque aussi des exemples magnifiques de polyptote, de distique heptamétrique. Donc toutes ces structures ont été transmises, bien sûr, et à chaque époque, elles sont renouvelées, elles sont réutilisées, réactivées en quelque sorte. Et je voulais évidemment aujourd'hui insister sur les textes des pyramides et les périodes les plus anciennes pour montrer que ce travail littéraire existait dès les premières époques, mais naturellement on en a de magnifiques exemples dans les époques postérieures. Ringrazio ancora il professor Mathieu per questa splendida lezione, ringrazio anche tutti voi e nell'augurarvi una buona serata, vedete già che la prossima conferenza sarà il 28 maggio, tenuta dal professor Zecchi, su Adorare Atene, il tema della gioia nei testi solari nel regno di Achenaten. Grazie e buona serata. Grazie.